Alors, quel temps aujourd'hui? Ta ta ta. Not so bad weather for Santiago today. Les 20 derniers kilomètres pour cette nouvelle étape, car aujourd'hui, Santiago! Welcome everyone, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. I hope you're well. Here we are, la última etapa. The last one, the last of the last. Eh bien, je me sens super fatigué et excité en même temps. Excited and tired at the same time because I had a little night. But it's my fault because I exchanged a lot with pilgrims yesterday night. So it was a huge video to edit and I was very late, so. Not a problem. I will sleep in Santiago. On dormira mieux à Santiago. As you saw, 20 km today. 20 km à peu près, voilà. Donc on va prendre notre temps, hein, comme d'habitude. Malheureusement, on va encore marcher près d'une route. Unfortunately. Mais bon, je n'ai qu'une chose à dire. Vamos! De la fraîcheur de bon matin. Fresh day again. And the sun is rising actually. Perfect, perfect, perfect. En tout cas, bien sympa cette première partie de dernière étape. Je vous avoue que, comme d'habitude, j'ai super faim. I'm starving actually. We are looking for a bar. Por un desayuno, breakfast en español. Or colazione en italiano. On apprend un peu plus chaque jour. J'aime trop l'ambiance de bon matin qu'on traverse ces petits villages. Elle est mignonne la route là, honnêtement. On peut entendre les gens qui se réveillent doucement, les appareils ménagers. On sent qu'il y a de la vie. La journée commence. We can hear the people who is waking in the small villages. We can hear the coffee machine. I love the ambience in the morning. A new day. It's starting avec de belles lumières ce matin, with beautiful lights, with a bit of sun. Tellement réputé en Espagne que même les bancs, des bancs de pèlerins, banco peregrino. Et nous voilà repartis après notre petit déjeuner. After our good breakfast, we are going on the Camino again. And as you can see, now we are meeting more pilgrims because it's the last stage, of course. Nous avons plus de pèlerins actuellement. Comment te llamas? Alberto. 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 Alberto is trying to explain me there is a tradition in Galicia where you must leave in your plate just a little bit of the food when you eat. It's a tradition. It's a rapport with la mort. Pour la mort. Yeah, pour la mort. He, the last one is he go out, is he died. Is the last. The last piece in the dish food is the last. I don't know. I never want to be the last. For due reason, I last the last in the fish in the dish. So, tú todo el tiempo un poquito en la ¿cómo se llama en español? Not, I am not, Plate. I am plato.
plato, sì. I'm not Galician. Ah, sì. Sorry. Barcelona. I'm Catalan. Big mistake, big mistake. The pipes, the instrument in music here is the pipe. Mm-hmm. It's similar to the pipe of the Ireland or the... Ireland. How is the difference? Ah, like in Santiago. L'anno passato mi ricordo, sì, 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 How sì. How is the difference in the pipe, Galician pipe, Scottish or Ireland? Non lo so. Half tone. I'm Galician. How is the pipe who is not affinate? Affinado? Uh-huh. Affinado? They mean when an instrument is not good, is not... Accordé. Yeah. Accordé. Yeah, in French. Yeah, accordé. How is disaccordé? The Galician... If you ask a Galician, no, no, the desaccordé is la de Ireland. If you ask an Irlandais, no, 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 Galicia, Galicia. All the day. Mon Dieu, il fait même chaud là. Hein. Le soleil donne aujourd'hui. Tant mieux, hein. C'est plus ce qu'on voulait pour arriver à Santiago dans les meilleures conditions. The best conditions. The sun is strong actually, wow. Lot of climbing again today. Il y a pas mal de montées encore une fois. Je sens la mauvaise nuit là. Je la sens aujourd'hui, mamma mia. I can feel my bad night actually. Sono stanco. Comme disent les Italiens. Sono stanco, I am tired in Italian. Et les biquettes. Les petites biquettes. On traverse des coins mignons depuis ce matin. Some cute parts from time to time. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une ampoule qui me fait mal aujourd'hui, soudainement. Alors que ça faisait des jours et des jours que j'avais plus mal du tout. I have just one blister today, who is a bit painful. I don't understand because for a few days, few weeks, I didn't have any pain. Allez, il reste 7 km. Et déjà, on peut apercevoir Santiago au loin. This is Santiago already in the background, very far. 7 kilometers left. Alors là, on comprend pas. Il nous reste 4-3 kilomètres avant Santiago. Mais comme vous voyez, suspendu dans les branches, un peu partout là sur ce chemin, il y a des masques de Covid, peut-être des souvenirs, je sais pas, ça fait plus pollution qu'autre chose. J'ai l'impression que c'est les gens qui les ont attachés sur les arbres. This is some masks against Covid. I don't know if it's memories actually or just pollution. Vers les 4 km, vous pourrez trouver une variante. Il y avait deux choix possibles. J'ai pas pu vous le filmer, désolé, j'étais avec le drone. Et en fait, vous pouvez prendre une autre voie qui mène à un monastère que vous pouvez voir sur la carte juste ici. Monasterio de Santa Maria de Concho. If you want to see a Monasterio de Santa Maria de Concho, you can have a different way here. You can see on the map actually. It's around 3-7 kilometers. You will see a different path on the left or on the right. I wasn't able to film. Sorry, but you can see actually the monastery. I was so lazy, we decided to go on the left, it's quicker, and because I had the drone, so I sent the drone until the monastery, and you can see the videos actually, the drone footage is of this monastery, but we were so lazy. J'ai envoyé le drone à la place, j'étais paresseux, je vous avoue qu'on a pris le chemin le plus rapide sur les deux. Et ça y est, nous voilà Santiago de Compostela. Hors centre évidemment, on vient juste de rentrer. We just entered in the city of Santiago. Bon, et qu'est-ce que j'ai pris? Un plateau combinado! Comme d'habitude. Voilà, je vous montre cette belle assiette. Je vous dis, hein, plateau combinado tous les jours. Every day, it's perfect. Bon appétit. Ça y est, fini de manger. Eh ben, waouh, fatigue générale, encore une fois. Je
je rêve que d'une chose, c'est de me poser devant la cathédrale et de faire une sieste au soleil. Autant à l'ombre, il fait hyper froid, it's cold in the shadows, but under the sun, it's beautiful, it's so nice, it's so strong. Sous le soleil, c'est le top. Et ça y est, on rentre dans le centre-ville. We are going in the center. I remember this place. We went to this bar the last year, I remember. Memories. Ça me rappelle des souvenirs de l'an dernier. Ciao. Manage. Mamma mia. Eh ben ça y est. Je reconnais les rues. Et ça y est, on en aperçoit. La cathédrale là, ça y est. Je suis explosé. On aperçoit un petit bout de la cathédrale, ça y est. A little bit of the cathedral at the top. Suspense, suspense. Je suis mort, j'ai l'émotion qui arrive en même temps. Emotional at the same time, but so exhausted. In life, the place of Santiago. Here we are. Et allez! Et voilà. La cathédrale de Santiago, ça y est, on y est. Mama. Magnifique, magnifique. Second time for me. Deuxième fois. Amazing. Et voilà. Kilomètre zéro atteint. What a feeling, what a feeling, what a feeling. Et donc la place s'appelle la Praza do Obradoro. The name of the place. Je vous fais un petit 360. Avec un groupe derrière qui chante. En direct. Magnifique, magnifique, magnifique. Et voilà, toutes les sortes d'arrivées sur la place, chacun sa manière. Je suis entre envie de pleurer, je suis tellement pas de force, je suis tellement fatigué en fait. I can't cry actually, I'm so exhausted at the same time. C'est bien, je viens de faire une vidéo de 5 minutes, j'avais le micro encore sur mon sac. Je suis tellement fatigué. Et en fait, ce que je disais, c'est que par rapport au premier Camino, les ressentis sont totalement différents. Plus d'émotions dans le premier, honnêtement, l'année dernière. Forcément, c'est la deuxième fois. Comme j'ai déjà vu la cathédrale et déjà vu la place, c'est différent. It's very different from the last year, my feelings. From the first Camino, of course. Even if it's emotional and we did around 600 or 700 kilometers from Lisboa, ça reste extraordinaire quand même. On a fait quand même pas loin de 600 à 700 bornes. I told you! I told you! J'en étais sûr! Donc comme je disais, ouais, ressenti très différent de l'année dernière. Forcément, sur un premier Camino, c'est toujours plus grandiose. J'ai déjà vu la place et la cathédrale, bien sûr. Mais bon, même s'il y a des émotions, hein, et puis c'est surtout le fait d'avoir accompli 600, 700 km, c'est pas rien. Hein. Ça fait du bien. Hein. Face à cette belle cathédrale. Allez, après une bonne petite pause méritée, nous allons chercher, ça y est, notre tampon de Santiago officiel. Tous ceux qui ont déjà fait Compostelle connaissent. We are going to get the stamp. The last, ultimo stamp, magical stamp of Santiago. Une des rues les plus connues
C'est dans cette rue que vous allez obtenir votre Compostela. You will get your Compostela in this road, in this street. Nice! Well done! Hey! Everybody! Et voilà! C'est ici où vous pourrez avoir le Compostela. This is the spot to get the Compostela. Je vais essayer de vous filmer ça en direct. Bon, alors pour vous expliquer vite fait, vous arrivez, vous scannez le QR code, vous devez remplir vos informations. You have to scan the QR code here and you will put all your informations, name, your address, telephone, etc. blah blah blah. And after you have this QR code and you can go to get your Compostela. Esta es la Compostela. Ok, vale. Con tu nombre en latín. Mm-hmm. Y este es el certificado de distancia. Perfecto. Los que hiciste desde Lisboa. Ok. Hola. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias y bienvenido. Et ça y est, le fameux papier en poche. Alors, à savoir, pour petite information, si vous voulez qu'ils vous écrivent les kilomètres parcourus, il faut payer 3 euros supplémentaires. If you want that the kilometers are written on the paper, on the Compostela, you must pay 3 euros more. Bon, alors je vous avoue que je suis tellement mort. Je sais pas ce que j'ai, hein. Je m'excuse, mais j'ai l'impression que je paye tout le mois de marche là d'un coup. Exténué. I'm exhausted. I have this feeling I pay all the months of walking actually. Je vous ferai plus de vidéos les prochains jours puisque je vais rester 2-3 jours à Santiago. Donc voilà, on fera des visites tranquilles. Cet après-midi, on va chercher une petite gelato, une petite glace, ice cream, right now. We just want to chill, actually. I will show you, we will visit the cathedral tomorrow, I think. Donc, il y aura plus de vidéos dans les jours à venir, tout simplement. Mais alors, quel plaisir d'être dans Santiago avec ce merveilleux temps, ce beau soleil, sachant que demain, normalement, le retour de la pluie. It's beautiful to have the sun today. Reach Santiago with this beautiful weather. It's amazing. And because tomorrow, the rain will come back. Et voilà, Santiago et tout son contenu touristique. Je pense que j'irai faire un petit tour d'ailleurs. Pour acheter quelques souvenirs, encore une nouvelle fois. Tiens, ça me dit quelque chose d'ailleurs, ça. Ce petit anneau. Ta-da-da! My ring from the last year. Memories. Non, j'y crois pas. Regardez-moi ce magasin dans Santiago. Mama, c'est bon. J'hésite même pas. Ok, andiamo. Andiamo. Bah, je vais la tester direct. Pasteis, mango, à la mangue et la classique. Let's go. Oh, je suis refait là. Bon, mais comme d'hab, chichin. Ça m'a manqué, les pastis, mon dieu. With mango, it's amazing. I miss Portugal. Crochette, petit clin d'œil. I want to go back in Portugal. Je vous montre des petits morceaux de mangue à l'intérieur.
Bon, l'instrument que vous avez vu, ça s'appelle une gaïta, et non une cornemuse, c'est un peu différent. Apparemment, il y a un seul bourdon, et typique de la Galice. It's a typical instrument that you saw, it's called gaïta, gaïda, en espagnol. Typical from Galicia. Bon, et comme l'année dernière, petit souvenir avec Tiziano. Je pense que nous allons dormir, on va essayer du moins de dormir ici, à Kilometro Cero, notre auberge pour ce soir. Nice albergue. We went already the last year with Tiziano in this one. So it's a lot of rooms with four beds, avec quatre lits donc. Je vous montre le reste. Donc il y a des douches hommes et femmes séparées, separate rooms, separate bathroom for men and women. And we paid 17 euros for each. On a payé donc 17 euros chacun. Et voici l'entrée, the entrance with the reception. Voilà, petite pièce où vous pouvez chiller, tranquille. Donc on a aussi la machine à laver et également le sèche-linge au besoin, une cuisine et aussi un magnifique jardin. Et donc l'année dernière on n'a pas pu profiter parce qu'il n'y avait pas de soleil. No sun the last year, so this time we can just chill here in this small garden, like a garden. That's cool, that's nice. It's a good view on the top of the cathedral, just in the background. Donc comme vous voyez en fait, là c'est l'office pour avoir la Compostela. This is the office for the Compostela. And the same road you have the hostel just here. It's a nice one because you are just, we are just, what, 100 meters from the cathedral. So it's very good, a very good location. Donc on est à 100 mètres de la cathédrale. Donc je la trouve bien pratique. Bon et ben voilà, fini pour cette soirée, cette... magnifique journée, même si j'étais exténué. Encore une fois, un jour sur deux, je suis exténué là à la fin. Je vous le cache pas, honnêtement, je crois que c'est le relâchement de tout ce camino. Je pense le fait de savoir que voilà, on a fini, que demain, on va pas mettre de réveil et voilà, qu'on va passer une très bonne nuit, je pense. J'ai énormément besoin de me reposer. Je vous avoue que je suis content, mais c'est vrai que ça a été difficile à certains moments. Entre le montage des vidéos, mon travail le soir, et puis voilà, forcément, on n'est pas tout seul, on est en groupe, on est avec des pèlerins, donc c'est vrai que tout ça, bah, ça prend du temps. Voilà, même si j'adore faire des vidéos, et forcément, hein, je vais continuer à faire des vidéos. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, donc je me suis couché souvent assez tard. Et voilà, plus la marche, 20 bornes en moyenne par jour, bah, je vous avoue qu'à la fin, on est fatigué. Donc ça va me faire le plus grand bien. Very happy, of course, to have finished this Camino de Santiago. Even if I had some emotions, but it was impossible even to cry because I was so exhausted. I don't understand why. I think it's just because of all these months. 30 days of walking. So of editing also in the evening and walking for me with my job. And so with pilgrims, to exchange with pilgrims also. So it's very nice, and at the same time I realize it's very, very tough. It was very tough actually. So that's why I feel so exhausted suddenly at the end. Because it was one day good, one day tired, one day good, one day tired. And so completely exhausted at the end. Bon, je vais voir ce que je fais, je ne sais pas encore, je ne pense pas aller à Finistère finalement. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de pluie. C'est annoncé pour la semaine entière qui arrive, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt honnêtement. Je préfère attendre l'année prochaine et faire Finistère dans de bonnes conditions. Finally, I changed my mind. Maybe I will not do the work until Finistère or Murcia. Because the rain is coming again for 1 week at least. So I think it's not very nice. I would like to have at least a bit of sun, but every day it's raining for the week.
Voilà, je vous mens pas, les prévisions météo, je ne sais pas si vous arrivez à voir, this is the weather for the week. So it's very bad actually. So yeah, I prefer to wait the next year. And I don't want to take a bus for the first time to go to Fisterra. I really want to walk. Coming back by bus is okay, but I want to reach Fisterra by walking. So no question, no way, by bus, no way. J'ai pas envie de prendre le bus jusqu'à Fisterra. C'est hors de question. Pour la toute première fois, j'avais vraiment envie de le faire en marchant, voilà. En toute franchise. Bah écoutez, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. I hope you enjoyed this video at least. And so tomorrow we will visit Santiago and the cathedral normally. Voilà, donc écoutez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Take care everyone and see you tomorrow. À demain. Ciao. Bye bye.